Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Pietro Racine, la chaîne qui part de mécanique. J'espère que vous allez bien. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, clique sur la petite clochette et tu auras toutes les notifications des futures vidéos. Alors aujourd'hui les amis, nous allons parler de bougies. Donc nous allons voir les différentes bougies qui existent pour vos scooters, nous allons voir leurs caractéristiques et surtout nous allons décortiquer ensemble ce que signifie ici les chiffres et les lettres que vous avez sur votre bougie. Donc on va essayer de comprendre tout ça, bien évidemment, après le jingle. Alors la bougie. La bougie est un élément clé de votre scooter. Elle fait partie de la combustion et tout ce qui fait partie de la combustion est essentiel. La bougie, il ne faut absolument pas la négliger. C'est elle qui peut vous causer des problèmes et c'est elle qui va vous permettre d'avoir une performance importante. Qu'elle soit chaude ou froide, la bougie est essentielle. Alors avant de décortiquer déjà tout ce qui est écrit sur la bougie, nous allons voir comment, de quoi est composée la bougie. Donc avec ce schéma. Donc tout en haut, nous avons l'embout de connexion. Ensuite, la bougie est suivie d'un isolant. On retrouve un écrou hexagonal, suivi de l'électrode centrale. Ensuite, nous avons un joint circulaire. Nous avons le tout qui est recouvert de poudre de scellement. Ensuite, nous avons le filetage du culot, le noyau de cuivre de l'électrode centrale et enfin, pour terminer, l'électrode de masse. Donc ça compose une bougie complète. Alors, il est important de savoir comment est composée votre bougie car elle va avoir un impact essentiel sur la suite de la vidéo et surtout sur la compréhension du fonctionnement de la bougie. Maintenant, nous allons décortiquer ici ensemble ce que signifient les lettres et les chiffres. Donc, sur la plupart des bougies, donc il y a marqué, bah là sur les boosters essentiellement, on est sur du BR9HS. Donc BR9HS. Donc la première lettre, qu'est-ce que c'est? La première lettre, elle va vous indiquer le diamètre de votre bougie. Donc ici, on est sur du diamètre B. Donc le diamètre B correspond à 14 mm. Là-dessus, tout est simple. La deuxième lettre, ici, le R. Le R va indiquer si la bougie contient une résistance ou pas. Donc, dans celle-ci, nous avons une résistance. La troisième lettre correspond à l'indice thermique. Plus la lettre va être élevée, et plus la bougie sera froide. Plus elle sera basse, plus la bougie sera chaude. Nous verrons après les spécificités de cet indice thermique. La troisième lettre, c'est le H, elle correspond à la longueur du filetage. Donc, vous voyez ici, j'en ai une autre. BR9E, donc c'est un E et ça, c'est un H. Et voilà la différence de filetage. Vous voyez? Voilà à quoi ça correspond. Et ensuite, la dernière lettre correspond au type de bougie. Donc là, on est sur du S, ce qui correspond à du standard. Ici, on est sur du IX, ce qui correspond à de l'iridium. Donc ça, c'est une bougie qui est différente de celle-ci. Ça, c'est une bougie standard avec une électrode. Je vérifie si on voit bien à l'écran. J'en étais sûr que c'était... Voilà. Ici, c'est une bougie standard avec un électrode large. Vous voyez. Et ici, l'iridium, comme vous pouvez le voir. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'électrode est extrêmement fin. Donc ici, la bougie iridium avec l'électrode extrêmement fin, c'est une bonne bougie pour les moteurs compétition. Sur un moteur type, un moteur 50cc, on reste sur une bougie de standard. Cependant, ce qui peut changer, ça va être l'indice thermique. Et on va voir à quoi ça sert. Donc... la bougie compétition, elle a une électrode fine, elle est beaucoup plus performante que les autres bougies, mais elle est extrêmement fragile et elle s'encrasse très très vite de par son électrode qui est très très fine. La crasse vient très rapidement se mettre dedans et elle dysfonctionne, ce qui engendre
du broutage, ce qui engendre des mauvais démarrages. Enfin, c'est plus compliqué. Donc, elle se change beaucoup plus souvent. Donc, ne passez pas à l'iridium. Hein. Ça, c'est vraiment pour les moteurs qui sont avec une configuration très poussée. Hein. Donc, on va parler de l'indice thermique de la bougie, qui est un élément essentiel dans le choix de la bougie. Donc, voici un schéma. Donc là, vous avez affaire à une bougie de type froid. Donc, elle se compose d'une électrode courte qui est noyée dans un isolant de faible épaisseur et très rapproché du culot, lequel est refroidi par son contact avec la culasse et transmet rapidement la chaleur vers le système de refroidissement du moteur. De telles bougies sont utilisées dans les moteurs à forte compression ou à grande vitesse de rotation. Donc, plus votre bougie va être une bougie froide et plus votre moteur va être performant. On ne choisit pas une bougie froide sur des moteurs qui n'ont pas une configuration poussée. Les inconvénients de bougies froides, c'est l'encrassement facile par des remontées d'huile, de vapeur d'huile, et ce qui vont se condenser dans l'électrode centrale, formant une goutte qui empêche le passage de l'étincelle. Donc ça, c'est comme je vous le disais tout à l'heure avec l'iridium, c'est un réel problème parce que la bougie, elle doit être très très souvent nettoyée, sinon le scooter dysfonctionne. On a aussi là, une combustion incomplète de cette huile qui laisse un dépôt charbonneux non conducteur. Et on a bien sûr le fait de devoir la changer rapidement et bien sûr la nettoyer relativement rapidement. Maintenant, on va voir la différence avec la bougie chaude. Donc la bougie chaude, elle est constituée d'une électrode centrale longue avec un isolant effilé et éloigné du culot, ce qui ne favorise pas l'évacuation de la chaleur, mais qui permet une élévation rapide de la température au niveau des électrodes. L'avantage de cette bougie chaude, c'est qu'elle va permettre des départs à froid plus faciles que les bougies froides, bien évidemment. Elle se monte sur des moteurs qui sont lents et de faible rapport volumétrique, donc un 49,9, voilà, elle va avoir une bougie relativement chaude, et elle est employée contre les remontées d'huile. Donc ça fonctionne très bien. Elle a un faible encrassement. Donc l'inconvénient de cette bougie-là, c'est qu'il y a un risque d'auto-allumage par le maintien de l'état incandescent de l'isolant. L'isolant est tellement chaud que des fois il est incandescent et donc il n'y a pas d'étincelle, mais la combustion continue dans le cylindre. Donc ça, c'est le petit souci de cette bougie, mais qui fonctionne dans l'ensemble relativement bien. Maintenant, les amis, nous allons apprendre à lire dans la bougie après qu'elle ait roulé un certain nombre de kilomètres. Donc, vous pouvez commencer à lire dans votre bougie à partir de 50 kilomètres. Donc, certes, elle ne sera pas énormément marquée, mais sa lecture fonctionnera. Sur une bougie relativement vieille, il est très facile de lire et de savoir si la bougie a un problème et les différentes choses qu'il y a à faire par rapport à sa lecture. Donc, je vais vous mettre plusieurs images et je vais vous expliquer ce que ça signifie lorsque votre bougie est dans cet état. Donc, dans cette image-là, vous avez une bougie normale. L'isolant de couleur marron clair et légèrement usure des électrodes indique une gamme thermique appropriée et une bougie judicieusement utilisée. Dans cette image, vous avez une bougie avec électrode usée. Donc une bougie ayant cet aspect indique un service de 15 000 km ou plus, donc ce qui est quand même assez important. Donc on va penser à remplacer la bougie assez rapidement. Ne la nettoyez pas, changez-la, ça ne coûte pas très cher et c'est important pour votre moteur. Dans cette bougie, dans cette nouvelle image, pardon, la bougie a des dépôts noirs et secs. Donc on peut en déduire que la carburation est trop riche, nous avons un mauvais fonctionnement du filtre à air, mauvais réglage des soupapes d'admission pour les 4 temps. Dans cette image, nous avons un bougie avec dépôt huileux, le cylindre avolisé, saignement usé d'un moteur ayant un grand nombre de kilomètres. C'est une quantité d'huile excessive dans la chambre de combustion, donc il faut remplacer la bougie par une bougie plus chaude, peut améliorer le rendement. Faites réviser votre moteur parce qu'à mon avis, vous avez un petit défaut de segmentation. Et enfin, la dernière bougie, donc là on a une bougie avec électrode brûlée. Donc c'est une bougie qui a surchauffé, c'est soit l'allumage est incorrect ou le système de refroidissement de la culasse défectueuse. Ou encore bougie surchauffée par une utilisation du véhicule à grande vitesse. C'est-à-dire que vous n'avez pas laissé votre scooter se reposer, vous l'avez utilisé longtemps d'affilée et donc il a surchauffé. Et donc la bougie ressort de cette façon-là.
Donc voilà les amis, comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, la bougie c'est un élément essentiel. La bougie doit être changée en temps et en heure. Lorsque vous avez un doute sur la bougie, vous la changez parce que c'est l'élément qui va vous permettre de démarrer et de rouler correctement. Elle est le produit essentiel de la combustion dans la chambre, dans le cylindre, et donc c'est l'élément qui va vous faire avancer. C'est l'élément qui va vous créer des problèmes avec la carburation, et c'est l'élément qui est relativement facile à détecter grâce déjà à son fonctionnement, d'accord ? Une bougie qui fait de l'étincelle, c'est une bougie qui fonctionne, et grâce à sa couleur. Donc il est important, lorsque vous avez un dysfonctionnement de votre deux roues, que ce soit un dysfonctionnement de type carburation, vous broutez, etc., on contrôle et le carburateur et la bougie de l'autre côté. En cas de doute, on change. Une bougie, ça va de 5 à 10 euros en fonction de la bougie. On utilise le bon réglage de la bougie, enfin le bon réglage, le bon indice thermique qui va être le mieux adapté à votre moteur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Et on se retrouve à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis !